Bonjour Internet, ici Casamia, bienvenue les amis sur une vidéo découverte de The Wild Age, jeu en accès anticipé, disponible sur Steam dans les 13€. Jeu qu'on va se lancer ensemble, vous allez voir, donc on va choisir un héros. Vous jouez manette aussi, alors là j'ai branché ma manette, voir ce que ça donne, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. C'est un jeu de micro-gestion, vous allez voir, je vous en dis pas plus, on va voir ça ensemble. Alors, on va se faire un petit avatar, on va faire une dame chevalière, tiens, non, un homme, allez, on va faire un bonhomme, de couleur, ouais, comme ça, le vert, comme ça, c'est pas mal, la monture, ouais, standard, cheval gris, compagnon, je peux pas en avoir, j'ai pas encore débloqué, ensuite, ça, c'est la couleur de mes pièces, ce sera des pièces en étoile, la bourse, ma bourse à moi, bourse bleu foncé, mon blason. On va choisir un blason. Ouais, j'aime bien celui-là, il me plaît bien. Couleur du blason, on va faire un truc vert qui ira avec mon personnage. Voilà, comme ceci. Ok. Donc, avatar. Tous les murs plus 5 PV, précision d'énergie plus 5 PV, vitesse, etc. On va sélectionner l'île. Donc, l'île 1. But, survivre 10 jours. Difficulté, normale. Ok, on va tester ça. Donc on va faire la première île ensemble pour voir un petit peu comment fonctionne le jeu, quel est l'objectif, comment ça fonctionne. Alors, bien que les fermes peuvent être coûteuses à construire, elles produisent une grande quantité de pièces avant l'hiver. Ok, donc il faut survivre 10 jours, on a une difficulté normale. Ah, tes armes de forêt, la transforme en prairie. Alors, se déplacer. D'accord. Est-ce que je peux... Ok, zoomer, dézoomer. Là, je suis sur la souris. Je joue avec... Ok. Collectez toutes les pièces. Dirigez votre personnage à cet endroit. Voilà, donc comme ça, je collecte des pièces. Très bien. Ensuite. Allumez la cheminée. Maintenez, enfoncez la touche pour continuer l'action. Alors, attends. Attends, parce que là... Construire au niveau 1 un feu de camp. Le centre-ville, l'endroit, le monarque fonde la majeure partie de la colonie. Alors, je laisse tomber des pièces, très bien. Alors, maintenant, faut que j'apprenne à... On va peut-être jouer avec la souris. Peut-être jouer avec la souris, ça peut être plus simple. Ouais, on va jouer souris. Alors... Maintenez clic droit enfoncé. Ok, j'ai compris. Putain, il m'a carotte une pièce, lui. Tu déconnes ou quoi? Recruter deux vagabonds. Appuyez sur la touche pour lâcher une pièce. Tiens, bah non. Ok, j'ai recruté deux vagabonds. Maintenant, recruter un archer. Ok. Production des arcs. Donc là, j'ai un vagabond qui va prendre un arc. Ah, trop bien. Recruter un bâtisseur. Ok. Ah, il attaque quoi, là, le machin? Putain, t'attaques des... Ah ouais, c'est trop bien. Ok, super. Bien. Donc là, on va recruter un bâtisseur. Donc le bâtisseur, il ne reste plus qu'une pièce. Voilà, petit vagabond, on y va. Mais c'est qui le mec là en rouge là? Il sert à quoi? Ah, le mec, c'est un commerçant. Ceci est un marchand. S'il reçoit un petit investissement, le marchand deviendra avec une grosse somme de pièces à chaque aube. D'accord. Bah tiens. Vas-y. Tu peux aller commercer, mon grand. Ok, super. Donc là, j'ai mon petit camp qui est prêt. Merci. Donc eux, ils chassent. Puis bâtis, chasse. Alors, construire un mur. D'accord. Ok, les murs sont les bâtiments les plus cruciaux de notre colonie. Ils constituent la première ligne de défense et une colonie dépourvue de structure est en grand danger. D'accord. Donc, lui, il va, le bâtisseur, il bâtit. Très bien. Ouais, ça tue. Mon mur est prêt. Je suis toujours au jour 1. Ah, je peux l'améliorer. Ouais. Alors attends, on va se promener un peu.
Alors comment je recrute d'autres personnes? Ok, là c'est bloqué après. D'accord, donc là le marchand il va marchander. Ok, super, très bien. Et là je peux faire quoi ici? Construire une tour. Construire une tour de niveau 1. La tour permet aux archers de tirer les ennemis en toute sécurité. D'accord, allez hop. C'est important je pense. Donc là j'ai mon bâtisseur qui devrait débarquer normalement pour aller fabriquer la tour. Hop là, lui c'est les récoltes. Ouais, le bâtisseur il y va. Très bien, ok j'ai compris, c'est vachement bien. Là pour faire une tour aussi. Alors faire une tour aussi, alors par contre il faudra que je recrute plus de monde. Des vagabonds là, je sais pas comment on fait pour recruter des vagabonds, c'est peut-être ça là. Non, c'est le centre-ville pour l'améliorer. Ah, attends. Vas-y. Centre-ville, endroit où le monarque fonde et gère la majeure partie de la catégorie. Ouais, d'accord. Alors, le marchand. Le marchand, il dit rien là. Ah, c'est à l'aube qui file des thunes apparemment. Bon, ok. J'ai une tour qui est prête. J'ai un mur qui est prêt. Ah, t'es bien là. T'es posé. Ok, oh, un coffre. Oh la vache. Ouh, ça vaut le coup. Ok, c'est bien. Alors, je sais pas ce que c'est que l'espèce de barre verte en bas à gauche. Ah, je peux nourrir ma monture. Oh la vache. Ok. On va retourner près de chez nous. On va essayer d'améliorer la ville. Et là, il fait nuit. Et c'est peut-être la nuit, d'ailleurs, qu'on se fait attaquer plus tôt. On va se faire un mur là-bas. Parce que il me manque un mur là, quand même. Ça me fait un peu peur. Hop. Construction d'un mur. On peut refaire aussi une tour ici. Ok. Est-ce que ça est utile de produire un arc? Ouais. Je sais pas comment je... Ah, ennemi spotted. Ah oui, ennemi ici, là. Je peux pas les tabasser, moi. Ah non. Facile. Ah merde. Et du coup, j'ai personne. Du coup, j'ai personne. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Est-ce que si je crée un deuxième arc, l'autre il va prendre l'arc pour défendre? On va essayer parce que sinon ça va être galère. Non. Tu peux pas changer? Tiens, maintenant. Merde, c'est compliqué. Un jour nouveau est arrivé. Ok, super. Bon. En fait, c'est que la nuit que tu te fais attaquer. Très bien. Par contre, il faut que je comprenne comment on fait pour recruter plus de monde. Parce que là, ça va pas être possible. Oui, d'accord. Est-ce qu'il répare? Oui, il répare. Super. Là, ça va pas être possible. On va être vite emmerdé si j'ai pas assez de personnes. L'atelier des marteaux. Oui, bon, allez hop. Alors, on va essayer d'upgrader notre ville, voir ce que ça donne. Ah, c'est ma monture qui a faim en fait. Ah non, elle fatigue. D'accord, j'ai compris. Plus tu bouges, plus elle est fatiguée. Alors, qu'est-ce que je peux faire de beau? J'essaie de comprendre ce que je fais. Hein.
Si je lâche des pièces d'or comme ça, genre t'as des manants qui débarquent? Non mais par contre il me les carotte en fait. Ah mais il me les rend après. Ok super. Alors comment je recrute plus de manants? Est-ce qu'il faut aller les trouver? Manants. Ah bah oui. C'est quoi, c'est des manants ça ou c'est des méchants? Camp de vagabonds. Ah voilà. Bah oui. J'ai compris. Allez les mecs. Et voilà. Maintenant ils sont avec moi. C'est super drôle. Super bien fait. Ah, puis tu t'agrandis comme ça petit à petit. Putain, ouais, j'ai compris. Ça y est. Qu'est-ce que ça malin. Alors, j'ai donc deux vagabonds. Deux archers. Deux marteaux, un constructeur. Donc tout le monde est équipé, c'est très bien. Je vais quand même recrafter des trucs pour les prochains. Il y aura ce qu'il faut comme ça. Voilà, donc on a bien un mur. Oh, c'est trop bien, c'est quoi ça? Atelier de hache. Bah, je fais quoi avec ça? Des marteaux? Atelier de marteau. Ah, c'est pour les bâtisseurs. Alors, effectivement, non, ça sert à rien d'avoir trop de bâtisseurs. C'est surtout des gens qui combattent qu'il me faut. Donc il faudrait que je fasse production de haches. Voilà, on va mettre une hache là. Et on va mettre surtout un mur ici. Hop, top. Et le mur. Voilà. C'est parti. Ok, donc eux c'est bon. On les a eu. On s'est pas attaqué là. T'es ouf. On va avancer un petit peu. Oh putain. Ah c'est quand même stylé hein. Camp de vagabond. Prenez ma pièce. Brave Jean. Voilà. Allez direction la maison. On pourra faire une ferme ici. Ok. Donc on a des vagabonds qui viennent. Donc j'ai deux bâtisseurs, trois archers. Et un qui n'a rien. Donc on va refaire une hache ici. Voilà. Et là, il va pouvoir venir le mec. Ah. Allez. Ah c'est trop bien. J'adore le jeu. Allez marchand, tiens. Est-ce que je peux upgrader? Ah bah non, j'ai plus un rond là. J'ai plus un rond. J'ai plus un rond. Bon, on va aller voir les camps de vagabonds. On avance un petit peu. On va peut-être plutôt préparer les futures défenses, c'est-à-dire que ce coin de la ville, on n'a pas trop upgradé, donc on va déjà faire une tour archer. J'arrive pas. Ah, j'ai fait un truc ici. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc. Abattre un arbre. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. Les arbres peuvent être abattus. J'ai pas lu la suite. Donc je peux abattre les arbres. Ah, c'est bien. Alors attends. Par un bûcheron, les arbres ne peuvent être abattus par une. Abattre les arbres en prairie. D'accord. Donc ça transforme la zone en prairie. Bon, bah on va essayer. On est déjà à 2 jours sur 10. Et à mon avis, je peux pas construire parce qu'il y a une espèce de brumasse. Et il va falloir qu'on nettoie la zone pour pouvoir construire. Je pense que c'est ça, l'idée. Merci, mon brave. Hop. Hop. Voilà. Ou alors, faut qu'on agrandisse notre ville. Ok, de toute façon, il y a des vagabonds ici. On va les enrôler. Tenez, mon brave. Ok. Ah, ben là aussi, là-bas. Ils sont loin, ceux-là. Mais on va les prendre aussi. Ah, il me reste 4 pièces. 2, 3. Venez, les braves, à la maison.
Alors, j'ai 3 bâtisseurs, ce qui est énorme. J'ai 2 bûcherons. Et 3 archers. Donc, on va refaire des arcs. Qu'on ait quand même un peu plus de défense. Ça peut servir. Ah oui, vous voyez. Là, je vais pouvoir faire une tour bientôt. Je vais bientôt pouvoir faire une tour. Merci. C'est bien aimable, mon brave. Allez, faut faire des arcs. Parce que j'en ai 4 qui ne sont affectés à rien. Donc des personnages non affectés ne servent à rien. Et c'est bien dommage. Ah, j'entends. Elle m'est spoil. Ah, attends, attends, il est sous. Oula. Ça fight. Enemy down. Enemy down. Bon, ça va, ça reste raisonnable. Pour le moment, les raids. C'est bon. Bien joué, les mecs. Il me faudra encore un peu de gold, s'il vous plaît. Avez-vous des golds à lâcher à votre bon prince? Que je puisse. J'ai encore 2 personnes qui ne sont affectées à rien. Voilà, super, merci. Que je puisse encore lâcher 2 gold en archer, ce serait très bien. Ah, est vraiment intéressant, le concept est très sympathique. J'aime beaucoup. Putain, j'ai zéro. J'ai zéro thune. J'ai zéro thune. Un nouveau jour est arrivé. On répare. Putain, j'ai zéro thune. Allez les gars, on chasse là. Bam. Bam. Il est plus que costaud ce daim. Merci. Bah, on va faire un dernier arc parce que il y a quand même un type qui se promène sans armes. Ah putain, puis il y a le marchand aussi. Ah super, merci l'ami. Tiens, on va faire des affaires. On va faire encore un arc. Voilà. Donc là, on a tous nos bonhommes qui sont occupés. Faudrait essayer d'écho 9. 9 gold pour pouvoir améliorer notre ville au prochain grade. Bah, je pense qu'on va pouvoir les faire là. Mais j'aimerais bien faire mon mur quand même. Et j'arrive pas à le faire ici. Je peux faire la tour pour le moment. Ah, faudra avoir une défense solide de ce côté quand même. Allez, hop. Basta. On va battre le mur qu'elle a aussi. Merci. C'est bien bon, mon brave. Ça, c'est franchement, c'est délire parce que c'est super bien fait. Vous avez le bonhomme qui se déplace, qui arrive, qui vous lâche des golds. Bon, faut abattre tous les arbres, je pense. Sinon, j'arriverai pas. Action en cours. Abattage d'armes. Abattage d'armes. Allez, les mecs, venez abattre des armes. Que je puisse. Il est où le constructeur là? Oh, vous êtes 3? Non, les bûcherons, vous êtes 2. Ah, merci, merci. Encore. Plus d'or. Plus d'or. Oui. Voilà, ils vont tomber des arbres. On va voir si on peut monter un mur. Ou pas. Non, ça devrait faire tomber un peu le. Ah, j'ai l'impression que j'ai du mal à. J'ai du mal là à faire ce mur. On va essayer de clean ici aussi, voir si ça suffit. C'est cette brumasse qui te dit que tu peux pas construire tant qu'il y a de la brume. Allez mon gars, va. Va m'abattre l'autre arme là, que je puisse. Non, moi j'ai l'impression que je peux pas construire tout de suite un. Un mur. Fais chier, merde. On va voir là tout de suite. Abattre l'arme qui est là. Oh putain, horde de gobelins. Ah si, je peux faire un mur là maintenant. C'est un peu tard, mais bon, on va le faire.
Bon, ça va. On a quand même, je pense, une bonne défense. Voilà, ça c'est fait. Ok, super, merci les gars. Alors, on est pas mal. J'ai encore deux personnes qui sont occupées à rien. J'ai un constructeur de bûcherons. Et ben, on va refaire un autre constructeur parce que ça permet quand même d'être assez efficace en termes de maintien des des portes et des trucs en tout genre. Alors là, 6h du mat, notre marchand est là. Donc on est à la 5e jour, on a fait la moitié là les amis. On va renvoyer le marchand. Sauf qu'on est pas mal. Sauf qu'on est pas mal. Là on va vraiment écouler les 9 gold nécessaires à notre à l'évolution de notre ville. Est-ce qu'il y aurait des gens qui ont des gold à me filer les amis? Peuple de Kalazaland. Bon, il y a des vagabonds ici, on va pas les prendre tout de suite, on va attendre un peu. Je veux mes 9 gold. Pas compliqué. Alors, il y en a bien qui a comme lâché un truc. Il y a le marchand qui fait des allers-retours. Prosternez-vous devant votre chevalier. Non? Rien? Que dalle? Ah. 6. Manque 3, les amis. Hein. Il va falloir se décider un peu, là. Tiens. Putain, 7. Ah, les glandes. Il me manque 7 gold. Ah, je suis deg. Ah. Les archers qui reviennent, peut-être que... Non. Bon. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On tient la nuit, on attend que le marchand vienne. Ça va peut-être se faire comme ça. Hein. Prochaine amélioration. Qu'est-ce qu'on débloquera? Atelier des fossiles. Les murs intérieurs sont construits gratuitement jusqu'au niveau 2. D'accord. Ça, c'est bien. Ok. Ah, le marchand, il arrive. C'est-à-dire qu'il va nous lâcher des trucs. Prochainement, à l'aube. Pas encore l'aube. On va essayer de passer à la nuit tranquillement. Et on devrait pouvoir upgrader par la suite notre bled. Oh putain, j'ai quand même cassé ça. Que je puisse faire une... J'ai quand même ramassé les arbres là. Que je puisse faire un vrai mur ici. Hein. Ça manque... Merde. C'est un peu galère de ne pas avoir un mur ici. Hein. C'est dangereux. Putain, mes 7 gold, ils vont fondre encore. Comme des jeux au soleil. Allez. On va attendre que la nuit se passe, se déroule. Pour le mieux, je l'espère. Ça commence à rendre la gueule, notre zone. Pas d'attaque pour le moment, 23h. Ça a l'air calme. Pourvu que ça dure. Ah, c'est par là que ça attaque. Allez mec. Bien. Bien. Ah, c'est eux qui m'ont piqué mes golds. Ah, en fait les mobs là quand ils passent devant toi ils te niquent tes golds. Ah, je suis déçu. Je me suis fait niquer mes golds comme un bleu. Merci. Merci. Ouais, bon, c'est indispensable de faire une porte ici. Ok, les amis, on continue. On attend que le jour se lève. Le marchand va pouvoir normalement faire des affaires et nous donner ce qu'il faut. Et on va pouvoir upgrader notre ville au rang 3. Ah, j'ai fait un succès, Sim. Ah putain. Oh, il me manque un gold. Non, c'est pas possible. Il manque un gold. Un seul. Un putain d'or. Que personne va me refiler.
Ah, sérieux, c'est abusé. Ah, les mecs qui chassent. Dites-moi que vous allez me... Allez, les mecs, là, il faut... Il faut, hein, il faut lâcher du fric, là. Hein. Il faut lâcher un gold, les mecs. Allez, t'as pas un PO? Mais si, t'as un PO. C'est bon. Lâche. J'ai dit lâche. C'est bon, les amis. On a notre gold. Notre 9e, on en a chier pour l'avoir, celui-là. Nous allons pouvoir... Si Dieu le veut... Augmenter la qualité de notre ville. Le passer au rang 3. Voilà, j'entends que ça farm, c'est bien ça. 8 archers, 2 bûcherons, 2 constructeurs. C'est très bien, là. On a une équipe équilibrée. Ah, mon cheval n'arrive plus à sprinter, il a plus assez de... Ah, c'est bien ça, merci. Tiens, il y a une pièce qui traîne là, quelqu'un me la ramène. Manon, Manon. Voilà, c'est bien. J'aime me sentir puissant. La puissance. Ok, super. Augmentons notre ville. Tout de suite. Alors. On a dit que ça débloquait râtelier de fossiles. Et voilà. Le centre de ville en droit du monarque. Ensuite, le banquier stocke les fonds à la banque. Ah. Cool. On a... Ok, super. Donc on a débloqué le fabricant de fossiles qui permet de faire apparemment de la bouffe, enfin du paysan, quoi, la paysannerie. Production de fossiles. Des fossiles peuvent être produits pour 4 pièces. La production fait apparaître un nouvel objet à l'atelier, ce que c'est récupéré, et ça fait un fermier. Ok, donc je vais créer une fossile. Très bien. Par contre, il va me manquer une pièce pour aller embaucher un nouveau vagabond. Donc on va attendre de passer la nuit. Et on va recruter de nouveaux vagabonds par la suite. T'as l'air d'être pas là que ça se passe. On va voir. Non, c'est bon, c'est calme. Monsieur Lame. Au rapport. Ça m'a l'air calme. Très bien. Bon bah, il est minuit. Ah, ça y est. Ah, ils sont effectivement plus nombreux qu'auparavant. Oh, le mur. Oh, la gueule du mur. Oh. Ah, merde. C'était pas prévu, ça. C'était pas prévu. Oh, le loot. Y'a un loot. Y'a un loot. Y'a un truc. Y'a un loot. Attends, qui tue l'autre, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, ce machin? Oh, j'ai looté un truc. J'ai looté un truc qui brille, je sais pas ce que c'est. J'ai looté un truc qui brille, je sais pas ce que c'est. J'ai looté un truc qui brille, je sais pas ce que c'est. J'ai looté un truc qui brille, je sais pas ce que c'est. Alors là, ça m'échappe. Ah, c'est peut-être un design, quelque chose pour plus tard. Bon, bah quoi qu'il en soit, on a fait un gros loot. Je sais pas ce que c'est, mais on a fait un gros loot. Oh, le mur, j'ai plus de mur. Donc on va faire leur framécrier et j'ai pas de sous. Alors, j'ai des gens qui sont morts. J'ai perdu pas mal de monde. Enfin, jour 7. Putain, ça lâche pas assez de fric, ça. Allez, va. Bon. Ah, mes murs ont été augmentés à leur niveau, non? Ça a l'air. Alors, j'ai un gars qui sert à rien. J'ai deux bûcherons de fabricants. On va... se refaire un archer pour la défense. Voilà, allez-y. On va se refaire un mur là-bas. Putain, niveau fric, c'est chaud quand même. Niveau fric, c'est chaud quand même. Oh la vache, est-ce que je peux pas refaire un autre mur aussi là-bas, par exemple? Bah non, c'est pas chez moi. Ça va être compliqué. Les prochains jours, je pense. Je suis au jour 7. Est-ce qu'on essaye de l'upgrade instant? J'ai pas assez.
J'ai pas assez d'archers, j'aime pas ça du tout. Bon, allez, on va l'upgrader. Ce sera fait. Et là, j'ai plus de fric. Là, j'ai plus un rond. Ah, c'est quand même... pas simple, simple, simple. Hein. Alors, mon fermier, ils sont où? Où est-ce que je vois travailler les fermiers? Parce que j'ai un fermier, mais je le vois pas forcément travailler quelque part. Ça, c'est un bûcheron. Ah, ici, la fermière. La fermière, ça marche comment? Elle lâche du fric? Tu produis, tu lâches? Bon, on va falloir encore passer une nuit. On va falloir encore passer une nuit. Ce qui me fait peur, c'est la défense en haut, là. Allez, c'est parti. J'ai plus un rond, j'ai plus un rond, j'ai plus un rond, j'ai plus un rond. Si on se fait attaquer par le nord, là, par le haut. J'ai bien peur que ça tombe à une vitesse assez folle et qu'ils vont, ils vont quand même pas me niquer ça, là. Bonne désert. La nuit s'annonce dangereuse. Là c'est calme. Allons voir de l'autre côté. Ça a l'air calme aussi. Rien à déclarer, messieurs. Non, bah très bien. Tout est calme pour le moment. Faut que ça dure. 3h du matin. Ici, messieurs. Tout est calme aussi. C'est louche. 5h. Bon, bah très bien, on aura passé une nuit au calme. On aura passé une nuit au calme, c'est parfait. On va continuer à gérer notre petite ville. On va récupérer l'argent du marchand. Alors, avec ça, on est au jour 8. Avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se blinde ici? Est-ce qu'on essaye de... que je récupère des dégâts, c'est bien beau, mais ici, ils servent à rien. Moi, ce que je vais faire, je récupère un gars. Merde. Voilà, je récupère un vagabond. Je vais faire un arc. Histoire qu'il soit équipé. Histoire qu'on ait un défenseur supplémentaire pour passer la prochaine nuit. Voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai plus qu'une gold. Et avec ma gold, on peut pas upgrader là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut casser un arbre, du moins, pour les prochaines zones. Sachant que quand on casse un arbre, quand on fait casser un arbre, le mec, il casse, mais il te refile la pièce après. Donc bon. En attendant, ça peut être utile. Ça va permettre de faire une plaine ici. Et la plaine, ça fait pop des lapins, etc. Et ça fait chasser les mecs. Et ça fait rapporter un peu de fric. Donc on va attendre que... notre bûcheron arrive. Nous bûcheronner ça. Comme ça, il fait tomber l'arbre. Il nous refile la pièce. On fait tomber l'arbre à droite. On passe la nuit 8. Allez, mon gars. 1, 2... 3, 4, 5. Ok. Ah bah ça fait même deux pièces. Ok, super. Tiens, continue, t'es bien là. Allez, c'est parti. Alors est-ce qu'ils lâchent tous deux pièces? Non, ça en fait qu'une. T'as vu qu'il y avait ça à tomber?
Ah ouais, mais c'est l'autre qui a été appelé. Ah, c'est nul. Voilà. Vas-y, mon gars. Bûcheronne-moi ça. La nuit va tomber, 21h. J'espère qu'ils vont pas attaquer de ce côté. On va voir ce que ça donne. Go, go, go! Go, go, go. C'est l'autre côté. Allez. Hop là. Deux pièces, merci. Ah, voilà. Putain, ça me rassure. On va lancer l'upgrade de la porte là. Voilà. C'est bien. Alors, go, 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 ça veut dire que de l'autre côté, il se passe quelque chose. On va aller voir. Nous, jour 8. Ennemi spotted. Pour l'instant, l'ennemi a l'air d'être bien derrière la porte. C'est bien, ça gère. Ça gère. Ah, le mur, il gère. Allez, 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 le mur, il gère. Ah non, vous me pétez pas mon mur de rang 2, c'est mort. Hein. Je pète un plomb. Putain, ils vont me le fumer, mon mur 2. Ils vont me le fumer, mon... Ah là là, va falloir que je repaye un mur 2. Chier, merde. Ça va passer. Ça va passer. Ah, c'est abusé. Ah, je suis déception. Là, je suis boudin, là. Les amis, là, je suis boudin. Bon, on récolte. Les sous de la journée. Et on va refaire... Oh, putain, fait chier. J'ai un gus qui sert à rien. Voilà, allez, on est au 9e jour. On y est presque, les amis. Voilà, on envoie le marchand. Putain, faut que je refasse un... Une porte, un mur de rang sup, quoi. Merde. Zut. Flûte. Caca boudin. Ah, il va créer... On va créer son mur, lui. On va... lancer... l'abattage d'arbres. Ça peut rapporter un peu de fric. Faut que je garde 3 pièces en stock pour l'upgrade du mur. Ah, je suis performant là. Je suis dans l'anticipation. Je suis dans l'optimisation à fond. Ok. Vas-y, finis-moi ça. Grouille-toi, mon grand. Ça, c'est bien. J'ai un mur de... Ah, il est direct rang 2. Super. Bien. C'est parfait. J'ai un gus qui sert à rien. On va créer un arc. Ici. Voilà. Je peux rembaucher un... Je vais, avec la gold que j'ai, je vais embaucher un vagabond. Et je reviendrai. Tiens, prends ça. Voilà. Et je reviendrai pour... refaire un arc dès que j'ai 2. Je devrais avoir 2 assez rapidement avec les mecs qui cassent les arbres là autour. Messieurs, bonjour. C'est les bûcherons. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait du bien. Lâche la pièce. J'ai dit lâche la pièce, merci. Voilà, on va s'en refaire un petit là. Bah, le grand plutôt, je pense qu'il payera mieux. Ou pas. Ah, j'arrive pas à viser l'arme. Bizarre. Pourquoi. Voilà. Voilà, et je vais tout de suite me faire un arc. Vite, 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 la nuit va tomber. Et on devrait pouvoir tenir ce 9e jour. Je pense que là on est pas mal au niveau optimisation de notre petite ville. Hop hop, voilà. Allez, donc il en reste un qui servait à rien, qui va vite venir s'équiper. Voilà, on est en défense, go go go, c'est en bas que ça se passe. Allons voir tout de suite ce qui se passe. Allez, faut tenir hein. Faut tenir les mecs. J'essaie d'améliorer. Ah, c'est 6 points pour améliorer. Enemy spotted. Enemy spotted. Attack. Oh la vache. Enemy down. Oh, ils vont mourir. Mon mur. J'ai pas trop traîné là. Hein. Allez, j'ai commencé à back.
Retreat. 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 Allez, retreat. Allez, tout le monde retreat. Boum, boum, boum. Allez, 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 faut rentrer là. Voilà. Bah voilà. On va s'en sortir. Alors, j'ai 3 gus qui servent à rien. Et bon, on va faire 3 archers pour pouvoir tenir demain. On va construire 3 arcs. Et bah voilà, on a passé la nuit 9. Alors, je pense qu'il faut que je fasse encore une dernière nuit pour valider cette première quête de survivre 10 jours. Voilà, ça c'est bon ça. Hop. 1. 2. Donc il me reste encore une personne qui n'est pas équipée. Il me manque juste un gold. On va lancer de l'abattage d'arbres et puis on va essayer de récolter. Je pense que quelques manants ont bien quelques piécettes à lâcher à leur doux prince. Chevalier, pareil. Ah, il me manque juste de gold, quoi, que je puisse. Ah, puis j'ai plus de porte en bas. Ouh, ça va pas ça. Faut que ça soit une. Une priorité, ça, la porte. Pièce. Pièce. Merci. Combien elle coûte déjà? 1. Ah, pff, me voilà rassuré. Me voilà rassuré. Là, j'étais pas serein du tout. Là, je me voyais mal passer encore une nuit sans porte. Donc, c'est la dernière nuit, les amis. On va lancer le craft d'un dernier arc pour un Gugus qui n'est pas équipé. Histoire qu'on ait une force de défense nécessaire pour tenir la nuit. C'est parfait. C'est parfait. Alors, je voulais vérifier ce qui me fait bien directement un mur de rang 2. Oui, il me fait bien un mur de rang 2 directement. Très bien. Super. Ben voilà. On va essayer de passer la dernière nuit tranquillement, les amis. Merci. Pour lancer des abattages d'armes. Merci, merci. Oh, les mecs ont été productifs. Hein. Bon, l'abattage d'armes, ce qui est bien, c'est que ça fait pop des lapins le matin. Allez, c'est parti. C'est la dernière nuit à tenir. Et ensuite, on validera notre quête pour cette découverte de. De ce jeu fort sympathique. Ouais, il est quand même assez sympa. Le concept est vraiment sympa. Par contre, la fermière, j'ai l'impression qu'elle sert à rien, non? J'ai pas compris comment ça fonctionnait, ce truc-là. Ça produit quoi? Comment? J'ai pas trop fait gaffe. Enemy spotted. Attack. Regardez là en haut, le monde. Allez les mecs, on tient tranquillement, c'est les derniers. Ça devrait le faire. Bon, au pire, ils nous pètent notre mur, c'est pas trop grave. On back. Ouais, le mur va tomber. Le mur va tomber. Retreat! Ah, c'est con parce que vous voyez, ils prennent encore une flèche ou deux, ils meurent à chaque fois. On est vraiment à la flèche près. Ah, il n'y a pas encore. Attends, il y a des mecs qui n'ont pas d'armes. C'est bon? Ah, super, merci les gars. Ah, vous assurez, et on va valider notre quête. On va la valider cette quête, oui ou non? Et ben voilà, les amis, un nouveau jour à travailler. Victoire, The Wild Age. Nous avons fait ensemble donc la première mission, ensemble. Et on peut continuer si on veut. On va pas continuer, on peut aller ensuite sur l'huile suivante. Mais voilà, on a réussi. Alors je voulais juste voir si
Je sauvegarde la partie, que je reviens au menu. J'ai looté un truc là durant la game. Est-ce que c'est un item de customisation que j'ai ramassé supplémentaire ou pas? Moi je pense que c'est ça le gros loot. C'est un espèce de truc qui doit pas arriver tout le temps. Classement, non? Éditeur de l'île. Ah, on peut éditer des îles, c'est vachement bien, regardez. C'est cool. Et si je fais une nouvelle partie, est-ce que j'ai des nouveaux loots? Ah, alors là, pour trouver... Bon, je sais pas, mais en tout cas j'ai looté un truc, je sais pas ce que c'est, mais j'ai looté un truc, si quelqu'un sait, vous me direz. Voilà, c'était Kaz sur The Wild Age, à retrouver sur Steam, dans l'action anticipée. A très bientôt, prenez soin de vous, bye tout le monde.